Pour parler concernant cinquième génie, ça qui c'est Marazia, qui c'est Mahasiah, et les rapport avec le rituel de Yé, et c'est son séraphélien, caractéristiquement, ils sont anges féminins, ils symbolisent la paix, l'harmonie, ils apportent la sérénité et la faculté d'étudier. Ça lui dit. C'est de lui nous parler qui c'est cinquième ange qui fait partie du grand sac cabal et qui a rapport avec le tiers lié. Pas oublier que une nous toujours dit. Nous toujours dit à chaque fois que nous avons parlé là, nous avons fait tout à l'heure différence entre rituel de Yod et Yé dans l'émission précédente que nous avons gagné. Et pour cela, si vous avez besoin de rituel de Yé, vous pouvez toujours aller dans l'émission passée pour essayer de comment capable faire rituel là et qui sera besoin. Nous avons toujours parlé de quoi besoin, une blouse, un foulard bleu, ou besoin de baleine bleue, ou besoin en calice, soit que lié en verre, soit que lié en cristal, soit que en or, soit que en l'argent, et baleine bleue ou plébel du côté droit, cap non machin. À prière et machine à prière, nous avons parlé plus de lui et dans l'émission précédente, on voit après l'image là, c'est un sec qui est un petit sec circoncis à l'intérieur de lui-même qui est trois triangles qui et en flèche qui sont orientés vers l'est. J'aime tout nous qui sont orientés vers l'est. Pour cela, pas oublier que nous n'avons pas besoin de faire. Moi, je demande toujours nous à chaque fois que nous avons fait prière, ça nous oblige à regagner un espace secret pour que personne pas capable de déranger nous. Parce que c'est un moyen que on capable d'entrer en relation étroite avec les génies ou les séraphins qui sont au-dessus de nous. Parce que pas oublier qu'ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous réconforter. Nous. Et ça fait que ni rituel de Yé, ni rituel de Yod, ni rituel de Yé, ils ont un rapport avec flèche à caction et des vélètes qui symbolisent le réconfort et l'énergie positive qui est le bonheur. Ça veut dire que c'est ça qu'on va recevoir. Et l'autre bagage important, toujours aller sur Google, même je ne vais pas faire là, cliquez sur Marcia, l'ange gardien qui est le symbole de la paix, qui a bon toutes caractéristiques. Et peut-être c'est samedi, 7 juin, dimanche 7 juin 2023, on est capable d'adresser l'offre de faire rituel de là, on fait pendant ou à l'intérieur du sec cabal qui c'est machine à prière, on est capable de réciter prière à la fin. Mais pour cela, il y a d'autres possibilités, on peut toujours interpeller et ça fait toujours aller chercher des informations qui cap edo. Pas oublier que je dis que avant on commence un rituel et faut on capable peut-être font 2-3 grandes respirations et pour cela ça permet ou retourner tout devoir, toute énergie dans le monde et afin que on capable retrouver l'énergie positive ou les forces créatrices divines et selon son recherche qui c'est amour, fraternité, volonté. Pas oublier, nous parlons de la loi d'attraction. Loi d'attraction sont bagages inéluctables, sont bagages qu'on pas qu'à empêcher, qui sont lois que qui fait partie des de principes de l'univers, quel que soit de façon positive. Toutes sortes où vous voyez, où chercher, où venir, tel que bonheur, la prospérité, la réussite, le paradis. C'est que tous en rapport avec loi d'attraction. Pour cela, le cinquième ou le cinquième génie, qui c'est Marazia, qui c'est on sera fait, pas oublier que, pendant que Google la map essaye de détailler, je dis son ange féminin, les symboliser la paix, l'harmonie et lui apporter la sérénité et la faculté d'étudier. Pour interpeller, pour prier, pour adresser, pour demander l'ange ou le séraphin, Marazia, premièrement, obligé de faire sacré les rituels de l'IA, par la suite, et à la fin, ou juste faire prière. Nous allons lire les prières pour vous, qui sont dimanche 7 juin 2023, qui c'est le cinquième génie, le séraphin Marazia. Il dit que, après avoir effectué le rituel en vigueur, il a prononcé la prière suivante. On dit, Marazia, pourrais-je supporter la charge énorme de mon destin? Tous les reliquats de karma, en provenance
de temps de vie passé freine mon progrès? Pourrais-je nettoyer et régénérer les demeures intérieures de mon âme? Dur labeur, pénible, accablant. Mais si tu es en moi, par ton essence vivante, régénératrice, tout est possible, Seigneur. Je me détache dès à présent de mes désirs inutiles, mondains. Je renonce au superflu, à l'inutile, au trivial, afin que tu viennes à moi, non pas en tant qu'invité, mais pour occuper ton véritable palais dans mon propre foyer intérieur. Ça, c'est le prière à adresser. Et pendant que vous faites le rituel de Héa, après ça, vous récitez la prière. Rituel de Héa, vous pouvez toujours aller dans l'émission précédente. Vous après comment vous pouvez faire le rituel. Vous pouvez faire le rituel de Héa. Par la suite, vous faites le rituel de Héa pour réciter. Lorsqu'on fait rituel de prière, hein, lorsqu'on fait rituel là, ou réciter prière là, et pour, par la suite ou des vertus, ça veut dire retirer blouse qui soit, et puis lorsqu'on retire blouse qui soit, retire mouchoir qui n'en pas là, et pour cela au juste éternel, bougie ou baleine bleue là, avec clochette là, l'eau finie, ou capable et regagner activité. Et pour cela, moi toujours conseille nous, essayez d'aller garder sur Google, écrit le 5e génie, c'est Maasia, c'est un séraphin lié, les ont porté féminin, les symboliser la paix, l'harmonie, et il y a porté la sérénité et la faculté d'étudier. Ça, c'est ça, m'a suivi des détails sous lui. Et Maasa est un ange d'une grande puissance. On l'appelle Dieu Sauveur, car il vient en aide à tous ceux qui souffrent d'ailleurs. Elle dit, c'est des détails. Ça veut dire, on parle des détails de lui, on parle de pouvoir invocation, on parle de protecteur et bélier. Elle dit, c'est sur Google, là, mon paquet de détails. Mais pour cela, il y a une barre qui est important. Essayez d'aller dans l'émission précédente, on essayer de joindre pas mal de détails, pas mal d'informations. Comment on est capable de faire rituel de là, comment on est capable de faire rituel de là, qui sont les besoins, qui est l'élément qui est important. Pour cela, j'aime dire tout là, c'est le 5e génie qui a bien rapport avec dimanche, qui a 7 juin 2023, qui c'est Maasia, M-A-R-H-A-S-I-A, c'est un séraphin lié. Merci beaucoup.